Même les chardes dans la chair, le messager de Satan, envoyé pour le souffleter, devint pour son âme un char de Dieu qui le transporta sur les hauteurs du triomphe, qu'il ne pouvait atteindre par aucun autre moyen. Pour prendre plaisir dans ces épreuves, que faut-il faire, si ce n'est les transformer pour en faire le plus beau des chars? Joseph reçut un jour la révélation de ses triomphes et de son règne à venir, mais les chars qu'il y portèrent avaient pour l'œil humain l'aspect extérieur des voitures folles de l'échec et de la défaite. Il est étrange pour celui qui est appelé à régner de passer d'abord par l'esclavage et l'emprisonnement. Cependant, Joseph n'aurait pu atteindre ce but par aucun moyen. L'élévation au trône spirituel qui nous attend a souvent lieu par l'intermédiaire de chars semblables. L'important est donc d'avoir les yeux ouverts pour être en mesure de voir tout ce qui vient à nous et de le considérer comme un char de Dieu et d'apprendre à monter dans de tels chars. Nous devons savoir reconnaître tout ce qui vient à nous comme étant bien le char que Dieu nous envoie. Cela ne veut pas dire qu'il est à l'origine de la chose ou de l'événement, mais dès l'instant où nous le lui remettons, il devient sien et Dieu le transforme en char divin. Il fait contribuer toutes choses, même les mauvaises, au bien de ceux qui lui font confiance. Tout ce qu'il désire, c'est que nous remettions tout entre ses mains. Lorsque vous rencontrez l'épreuve, considérez-la comme étant la volonté de Dieu et montez dans cette volonté comme un enfant s'installe sur les genoux de sa mère. Le bébé qui est porté dans les bras de sa mère traverse d'une manière triomphale les lieux les plus difficiles, sans même se rendre compte de la difficulté. À combien plus forte raison cela est-il vrai de nous, qui sommes transportés par le char des bras de Dieu? Monte donc dans ton char. Considère tout ce qui ne va pas bien pour toi comme le char que Dieu t'envoie. Peu importe l'identité de son auteur, que ce soit les hommes ou le diable, dès l'instant où cet événement t'atteint, il devient pour toi le char de Dieu et il a pour fonction de te transporter au lieu céleste du triomphe. Reste aveugle aux causes secondaires et trouve le Seigneur dans cet événement. Dis, Éternel, ouvre mes yeux, je t'en prie, afin que je voie, non l'ennemi visible, mais les chars invisibles de la délivrance. Il est probable que l'ennemi s'efforcera de transformer ce char en une voiture folle, en t'insinuant que Dieu n'a rien à voir là-dedans, et que tu ne dois pas t'attendre à recevoir de l'aide de sa part. Tu dois par conséquent ignorer toute suggestion de ce genre
et la vaincre en lui opposant une foi totale et parfaite. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Telle doit être ta pensée constante, quelles que soient les apparences. En outre, tu dois être bien convaincu de cela. Tu dois monter complètement dans le char, sans laisser un pied traîner sur le sol. Il ne doit y avoir ni si, ni mais, ou supposons, ou autre question. Tu dois accepter parfaitement la volonté de Dieu et te cacher dans les bras de son amour, qui sont toujours prêts à t'accueillir en toutes circonstances et à tout moment. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Répète constamment cela. Chasse de ton esprit toute pensée, sauf ta soumission à sa volonté et ta confiance en son amour. Aucune épreuve ne peut t'atteindre où la volonté divine ne joue plus de rôle. L'âme du croyant n'a qu'à monter dans sa volonté comme on monte dans un char pour chevaucher les cieux avec Dieu d'une manière inconnue jusqu'alors. L'âme qui chevauche ainsi avec Dieu dans le ciel a une vue différente des choses que celle qui rampe sur la terre ne peut avoir. La pauvre victime qui vient d'être écrasée par la voiture folle et saigne ne peut contempler que la poussière, les pierres et les roues qui grincent, mais le voyageur triomphant du char aperçoit et contemple des panoramas bien plus beaux. Quelqu'un se demande-t-il où se trouve son char? Le psalmiste déclare « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Aucune ville n'est jamais dépourvue de chars. À la fin d'une réunion, au cours de laquelle j'avais parlé de ces chars, une brave chrétienne vint me dire « Je suis une pauvre femme et pendant toute ma vie, j'ai souvent été triste de ne pouvoir aller dans une belle voiture comme celle de mes voisins. J'ai reconsidéré ma vie pendant que vous parliez et j'ai découvert qu'elle est si pleine de chars que je pense ne plus jamais avoir besoin de marcher. » Je ne doute pas un instant que si nos yeux pouvaient s'ouvrir aujourd'hui, nous verrions nos maisons, nos lieux de travail et les rues que nous traversons, remplies de chars de Dieu. Personne n'a besoin de marcher,
car nous avons à notre disposition une multitude de chars. Ce membre de ta famille, qui jusqu'à présent t'a rendu la vie difficile et qui a été une sorte de voiture folle pour écraser ton âme dans la poussière, peut devenir dès à présent un char glorieux qui te portera jusqu'aux hauteurs de la patience et de la persévérance céleste. Cette incompréhension, cette mortification, cette méchanceté, cette déception, cette perte, cette défaite sont des chars qui attendent de nous porter vers les hauteurs mêmes de la victoire que nous aspirons depuis longtemps à atteindre. Monte dans ces chars avec un cœur reconnaissant et perds de vue toutes les causes secondaires par l'éclat de son amour qui te portera dans ses bras, dans la sécurité et le triomphe. Amen. Thank you.